Il y a beaucoup de personnes qui ont besoin d'observer la parole, ce que Dieu déclare. Le Proverbe 10:5 est une belle leçon pour nous. Celui qui amasse pendant l'été est un fils avisé. L'été, normalement, c'est quand les céréales deviennent mûres. C'est l'époque de la récolte. C'est l'époque de l'abondance de bénédiction. Il y a celui qui n'amasse pas. Puis il dit alors, celui qui dort pendant la moisson, la récolte, est un fils qui fait honte. Parce que quand va arriver l'hiver, il n'aura rien. Et dans la vie, nous avons les quatre saisons. Il y a un temps, en automne, où commence à chuter l'emploi, chute la santé, on tombe malade. Il y a le temps de l'hiver qui est très froid et très difficile. Puis vient le printemps avec les fleurs, des jours joyeux. Puis après vient l'été avec les productions. Apprenez avec Dieu. Voyez cette personne qui a appris et a été bénie. Un problème au genou, 4 ans. 4 ans. 4 ans avec un problème au genou, alors j'ai vu un orthopédiste, il a dit que c'était de l'arthrose. Et comment est-ce que vous marchiez avec cette douleur? Montrez pour moi comment c'était. Je marchais comme ça, c'était comme ça. Imitez correctement. J'ai eu du mal pour arriver, seul Dieu le sait. Difficulté. À présent, marchez vite. À présent, vous êtes ça guéri. Va. Voyez quelle scène. Où est-ce que vous allez voir maintenant? Revenez, revenez ici. Passez par ici. Passez par ici. À présent, marchez vite par là. Allez, marchez vite. À présent, venez ici. Maintenant, elle va parler à la journaliste. Encore une petite course pour la rencontrer là. Faites une petite course. Faites une petite course, ma sœur. Faites une petite course. C'est fait. Hé, Jésus, c'est vraiment beau, mes amis. À présent, je prie avec vous. Père, je prie maintenant pour cette personne. Je la bénis. J'exige que l'ami ôte sa main de sa vie. Va-t'en d'elle maintenant. Ne la perturbe plus. Sors au nom de Jésus. Ayez une bonne journée et préparez-vous pour la Sainte Communion de cette semaine. Samedi et dimanche à Sao Paulo, samedi 9h, 14h et 18h, dimanche 7h, 9h, 11h avec moi, le pasteur James à 14h, 16h, 18h et 20h, avenue Saint-Jean, 791 à Sao Paulo, 150 mètres de la station publique du métro. Bonne journée.